connaissance des flûtes, alors pas forcément d'Irlande, de Bretagne, du Brésil, de Pologne, d'Inde, etc., mais aussi des recherches que j'avais faites autour de la musique perse, des traditions du ney iranien, de la Nouvelle-Guinée, donc des flûtes bambu, de ce qui concernait aussi les flûtes d'Amazonie, et puis les rituels qui étaient associés à ça. Tout un travail comme ça qui intéressait beaucoup François Marillier, et puis du coup Bartabas, puisqu'il était vraiment dans cette idée-là de chercher des sons qui communiquent entre l'air et la terre, quoi. Voilà, on était vraiment sur cette dualité, terre-air. Moi, la musique a sauvé ma vie, vraiment. La flûte, c'est une boussole qui m'a guidé sur cette planète, mais dans ma vie personnelle, dans les méandres de mon histoire et de mes mémoires. Je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre des gens, on a des choses à apprendre avec eux. Et puis qu'on a une bouche et deux oreilles, donc c'est important de les utiliser en proportion aussi. Je suis allé à ce concert, effectivement, il y avait sept musiciens sur scène, j'en ai vu qu'un pendant tout le concert. J'avais les yeux sur lui, dès qu'il faisait une note, j'avais les poils des bras qui faisaient ça, et je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait. Et j'ai reçu une dose de quelque chose ce soir-là. Après, il s'est avéré que c'était Mad Molloy, que Mad Molloy, ça reste encore là, une référence incroyable dans cette musique-là. J'ai reçu du talent, de l'érudition, de la générosité, de l'amour avec ce musicien. J'ai fini par trouver cet instrument et depuis j'ai une histoire d'amour avec cet instrument. Je crois que j'ai une dette de jeu, J.E., envers Mad Molloy, c'est sûr. Si maintenant c'est un instrument qui est vraiment intégré à la musique de Bretagne, quand j'ai démarré au milieu des années 80, c'était pas du tout le cas. Donc il a fallu aller voir des gens, des chanteurs de la tradition en breton, qui étaient quasiment tous des paysans. Et après, je suis parti en Irlande en stop. Je ne connaissais rien à l'Irlande. Donc il fallait faire confiance aux gens. Quand les gens s'arrêtaient en voiture, je leur disais, je ne sais pas où je vais. Ils me demandaient, mais pourquoi tu fais du stop? Je leur disais, non, je fais du stop parce que je cherche des endroits de musique, je suis apprenti, mais je pars du principe que vous êtes irlandais, vous, là. Vous connaissez votre coin mieux que moi et peut-être que vous pouvez me trouver un endroit où il y a de la bonne musique irlandaise. Quand on commence à parler comme ça aux gens, c'est là qu'il se passe des choses. J'ai beaucoup travaillé tout seul, j'ai beaucoup écouté, j'ai fait quelques enregistrements à chaque fois, je travaille à partir de ces enregistrements, puis j'ai rencontré des gens, des guitaristes qui m'apprennent des notions d'harmonie, des percussionnistes qui m'apprennent des notions de rythme, des contrebassistes de jazz qui commencent à me faire glisser un peu vers l'improvisation. Et puis après, voilà, le Mali, le Niger, l'Inde, le Brésil, le jazz, la musique électronique, la musique contemporaine, etc. La danse, j'ai appris aussi beaucoup avec des danseurs. Au départ, je suis parti au Mali dans le cadre d'un projet de coopération agricole. Je savais qu'il y avait une tradition de flûte pastorale, les musiciens peuls, pour moi c'était un mystère, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis à Bamako, la capitale, est-ce que je peux en voir un quand même? Ce serait bien. Juste voir, quoi, voir, me cultiver, apprendre. Et un jour, je me promenais avec ma caisse de flûte sur l'épaule au Carrefour des Jeunes, et puis là, on m'appelle, on me dit, hé toi, viens là. Donc j'arrive, c'était le directeur de l'académie de percussion de Bamako qui m'interpellait et qui me présente un monsieur, voilà, qui me dit, voilà un flûtiste. Et le flûtiste avait un costume trop grand pour lui, m'a pas dit bonjour, rien. Il a sorti une flûte de sa poche, il a commencé à jouer en me regardant dans les yeux et en regardant ma caisse de flûte. Il n'y a que deux possibilités là, soit tu te dégonfles, tu gardes la caisse sur l'épaule et puis tu dis bravo, merci, et puis voilà, au revoir. Soit tu dis bon, c'est clair, il y a un appel là. Donc tu ouvres la caisse de flûte, tu prends la flûte, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer parce qu'il n'a pas du tout la même flûte que toi, il joue des trucs que tu n'as jamais entendus, jamais, vraiment. Tu fermes les yeux, là, vraiment. Tu vois, tu joues, et ça marche. Et il se passe un truc incroyable. Donc ce flûtiste m'envoie des motifs, Peul, et moi je réponds. Et j'ai l'impression qu'on voilà, on est ensemble, et de l'avis des autres musiciens qui étaient là, ils m'ont dit, c'était absolument incroyable ce qui s'est passé. Si j'avais voulu apprendre le Bambara, si j'avais voulu apprendre la langue qu'on parle à Bamako, ça m'aurait peut-être pris 3 ans, où j'aurais fait des fautes de vocabulaire, de grammaire, d'accent, etc., et j'aurais peut-être pas eu ce que j'ai eu là. D'abord par l'écoute, en fait, parce que ce que j'ai fait, en plus, en jouant là, c'est que je n'ai fait que reprendre ce que me donnait ce musicien et de lui ramener avec
J'imagine plein de transformations qui étaient liées à mon accent. Mais je n'ai fait que reprendre sa phrase, son vocabulaire. Donc ça, forcément, ça change la vie, ce genre d'expérience-là. Ça change profondément la vie. Avec David Hopkins, on arrive à un festival et c'était écrit en grand sur une banderole, Quartet Giorgi, avec comme invité David Hopkins et Jean-Luc Thomas. Donc je dis à Hopi, mais tu connais la musique polonaise ? Il me dit, non. Et je dis, mais moi non plus. Il me dit, ben non, je sais, ouais. Et en plus, on ne pourra pas répéter. Ça va être directement sur scène que ça va se passer. Bon, je commençais vraiment à travailler sur l'improvisation, j'étais vraiment encore novice, donc c'était quand même pour moi une épreuve un peu rude, hein. Et le moment du concert est arrivé, on s'est fait inviter et c'était magique parce que c'était vraiment l'impression de vivre une conversation où chacun prend la parole quand c'est à lui de prendre. Il y a eu des moments comme ça d'une justesse extraordinaire. Et ça, ce sont des choses qu'on n'oublie jamais, forcément. Parce que quand on revient dans la vie quotidienne, au jour le jour, on reste sensible à ça. Pourquoi tu prends la parole? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as vraiment écouté l'autre, à un moment, pour t'exprimer, etc., etc. Toutes ces choses-là sont, pour moi, extrêmement importantes. Et donc, Maciej Rykwicz, ce sont des moments inoubliables, parce que ces gens-là t'aident à aller à un endroit où tu ne penses pas que tu es capable d'aller toi-même. Et souvent, on a besoin des autres. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. C'est que dans notre chemin de vie, on a toujours eu quelqu'un, à un moment, qui savait qu'on pouvait aller là, et que nous-mêmes, on ne le savait pas. Et que ça, c'est extrêmement important. Tout est dans la relation à l'humain. Tout est dans l'histoire que j'ai avec les gens que j'ai rencontrés. Je ne fais pas de la musique carnatique, je fais de la musique carnatique avec Ravi Chandrakulur. Où je ne fais pas de la musique brésilienne ou du choro, je fais du choro, ou le choro de Vitor Lopez, avec Vitor Lopez. Etc. Ou le jazz brésilien avec Carlos Malta. Yacouba Moumouni m'a donné la force de l'Afrique, vraiment du guerrier. J'ai vraiment trouvé un guerrier là qui a réveillé mon guerrier. Dans ce stage qu'animait Yacouba, où il y avait plein de gens qui connaissaient beaucoup mieux la musique africaine que moi, qui évidemment, je braconne hein, beaucoup. Il joue un petit motif, avec cette flûte, je réponds, et il se passe quelque chose de très très fort, que j'ai ressenti moi immédiatement. Lui, il ne me l'a pas dit tout de suite, mais il me l'a dit quelques mois après, mais il a ressenti exactement la même chose. Et après, il m'a dit cette chose qui était magnifique, c'est que ce jour-là, en fait, quand on s'est rencontrés, c'était passé quelque chose qui nous avait dépassé complètement, c'est que nos deux flûtes étaient tombées amoureuses, que ce n'était pas notre histoire, que notre histoire à nous, c'était de préparer les flûtes, de bien les soigner, de bien respecter nos instruments et de bien travailler quand on était loin l'un de l'autre, pour que quand on se retrouvait, nos deux flûtes puissent profiter de cet amour qu'il y avait entre celle de Yacouba et la mienne. Maciej Rykwicz m'a amené l'humour et la dérision.
Michel Godard m'a amené beaucoup de spiritualité. Quand je suis avec Michel sur scène ou dans la vie, je sens vibrer des choses qui sont autres et que je retrouve parfois avec Carlos Malta, musicien de magnifique qui était le saxophoniste d'Hermeto Pascual de Rio de Janeiro. Et Carlos est quelqu'un avec qui on échange à la brésilienne, quoi. En plus, c'est une spiritualité, mais en même temps qui est toujours drôle, voire sensuelle. Ravi Chandrakulur, c'est l'érudition. C'est l'érudition, c'est cette ouverture. Il est en permanence curieux, Ravi. Il s'intéresse à tout. Cette création qui est complètement multimédia, qui est toujours, moi je considère que c'est toujours work in progress, et donc il s'appelle Officina, où je raconte des histoires, vraiment c'est mon carnet de route, c'est pas le Brésil, c'est très subjectif, c'est mon histoire. Tout le répertoire donc est composé, c'est la première fois que je joue vraiment un concert où j'ai composé tout. Toutes les images viennent de moi, toutes les prises de son, etc. Donc c'est vraiment très 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 personnel cette aventure, mais c'est vraiment un témoignage, un carnet de voyage et un remerciement à tous ces gens que j'ai croisés. Qu'il y a eu l'appel de la terre dans mon parcours, c'est-à-dire la gavotte, le pline, le fesnos, vraiment cette danse où les gens sont bras, voilà, on est comme ça, quoi. Il y a quelque chose de très très fort dans ce geste-là. Et puis, de par peut-être mon histoire personnelle, il y a eu l'appel de la mer aussi. C'est grâce à la mer, à un moment, que j'ai fait le choix d'être musicien aussi, parce que je n'étais pas d'un milieu de musicien. Et en fait, je suis allé voir la mer avec 10 000 questions. Et j'y suis resté 8 heures. Et quand je suis revenu, j'avais pas de réponse à mes questions, mais je n'avais plus qu'une seule question. J'avais compris quelle était la question à laquelle il fallait que je réponde. Et ça, voilà, c'est ce que la mer m'a toujours apporté. Je suis allé la voir plusieurs fois. Il y a eu ce rapport dual entre le pied vraiment dans le local, dans le terreau, dans la terre vraiment, et puis l'eau, le pied sur le bateau, on va dire, qui fait qu'à un moment, voilà, on lâche les amarres. On y va et l'aventure commence. Et puis à un moment, de toute façon, on ne peut pas lutter ni contre le courant ni contre le vent. Donc à un moment, il faut lâcher prise et laisser les choses se faire et quoi qu'il arrive, être juste disponible et présent.